Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous le savez maintenant, la prochaine extension de World of Warcraft se nomme donc Shadowlands. Et en début de semaine, euh, il y a tout simplement Blizzard qui a annoncé que l'Alpha sortirait durant toute cette semaine et l'alpha est désormais sorti. Les clés pour accéder à cet alpha ont été envoyées aux proches de Blizzard, à certains journalistes et à certains streamers de World of Warcraft. Of Warcraft. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que euh, là, on est sur WoWen, mais aussi d'autres sites ont commencé le data mining. Donc, il consiste à aller dans les fichiers du jeu pour trouver tout ce qui est nouveaux modèles euh, de personnages, nouvelles montures, nouveaux mobs, certaines cartes de zone et encore euh, de l'autre côté, les nouvelles personnalisations de personnages. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les euh, nouveaux modèles de les personnages majeurs de certaines mascottes de certaines montures et de nouveaux bon, alors on va commencer très vite avec euh, le nouveau modèle donc euh, de celui qui a remplacé arthas en tant que roi liche celui qu'on voit affronter sylvanas dans la cinématique de Shav de shadowlands pardon c'est tout simplement bolvar fort dragon on va pas se mentir il est extrêmement badass quand même son nouveau skin est juste magnifique euh, du coup Juste après, on a donc ici qui a été dataminé aussi l'arme de Bolvar, qui donc, est donc son marteau, le même qu'on voit euh, durant la cinématique de Shadowlands. Ensuite, on passe sur le retour de Keltalas, euh, puisqu'on le sait, Keltalas a été tué à Burning Crusade, et donc tous les personnages qui meurent vont dans l'ombre euh, terre, qui est donc. Les Shadowlands, le monde des morts, quand tu meurs, tu vas là-bas, tu es réparti dans plusieurs zones. On verra ça un peu plus tard. Et donc quel talas qu'on retrouve euh, qu'on retrouve à Ravendress et euh, qu'on affronte je crois euh, dans un donjon. Cette fois-ci, on ne doit pas le tuer, mais on doit le libérer euh, car il est con -replus. Donc ça c'est son skin euh, normal. Et ça, je crois bien que c'est son skin. Voilà, Dans le donjon, on va l'affronter. Euh, Lorsqu'il est corrompu, on va devoir le sauver. Donc, avec une tombe dans le dos. Euh, les skins sont très bons. On voit qu'ils sont très bien finis. La finition est magnifique. Ensuite, on a Akar, l'écorcheur d'âme. Euh, Akar, l'écorcheur d'âme, si euh, je me souviens bien, c'est si, quelque chose qui est lié euh, au troll. Et qu'on avait affronté euh, à Zulgurub, mais pas le Zulgurub qui était refait à Cataclysme, mais euh, Zulgurub avant Cataclysme. Donc il commence à remonter un petit peu, par exemple Zulgurub sur euh, Wuvania. Donc le nouveau modèle d'Akkar, euh, Akkar qui va être un boss de donjon aussi, et euh, dont là on voit vraiment que le, le modèle est juste magnifique, et on voit encore une fois Blizzard a fourni du très bon travail là sur les premiers skins qu'on a vu. Euh, là dessus. Ensuite ici nouveau modèle de Sylvanas. Sylvanas euh, avec une armure qui fait penser euh, aux armures euh, des mobs qu'il y a dans l'antre. Donc l'antre c'est quoi? L'antre euh, c'est là tout simplement où il y a où il y a euh, le geôlier. Et euh, l'antre c'est une prison où toutes les pires âmes, euh, tous les personnages qui ont fait les plus grosses atrocités. Euh, sur Azeroth ou euh, dans tout le cosmos, parce qu'on rappelle que Shadowlands, c'est l'ombre au est et la même pour tout le cosmos. Et donc là, on voit Sylvanas avec un skin qui ressemble. Euh, avec par exemple un, un stuff qui ressemble beaucoup euh, à l'antre. Excusez-moi. Donc là, du coup, on a Sylvanas ici, une nouvelle, nouvelle de Sylvanas, euh, assez magnifique. Bon, son armure change beaucoup, mais euh, on, on, on la reconnaît bien avec ses, ses larmes de sang euh, sous ses yeux. Donc voici pour le nouveau modèle de Sylvanas. Ensuite, euh, alors ici, alors attendez parce qu'il ne faut pas que je me trompe. Euh, voilà, c'est Dame Vache. Donc euh, Dame Vache pareil, un personnage que je crois on tue à Burning Crusade et que donc on retrouve euh, dans les Shadowlands assez logiquement. Euh, alors je crois que c'est dans un donjon aussi qu'on va la retrouver ou en tant qu'allié je, je crois que c'est en tant qu'allié, je crois qu'on la retrouve en plus. Euh... Si mes informations sont bonnes, je crois que c'est en tant qu'allié qu'on la retrouve et non pas en tant que boss. On verra ça. Euh, bah, de toute façon, on verra ça avec le temps. Euh, ensuite, Isera. Euh, on rappelle que Isera euh, meurt à Légion en étant corrompue par Xavius dans le cauchemar d'Emeraude. On la retrouve dans la zone de Valchara. Donc, ces quêtes-là sont disponibles. Hein, ça date de Légion, euh, de l'extension Légion. Et euh, donc, on va la retrouver. Et du coup, on va la retrouver à Sylvardren. Sylvardren qui est. Euh, une, une très grande euh, forêt, on peut dire ça, un peu féerique. Et euh, donc voilà, on, on va retrouver Isera là-bas, puisqu'on rappelle qu'elle est morte, donc on va la retrouver du côté de Sylvardan. Et voilà son skin quand elle transforme en dragon, parce qu'on rappelle que Isera est un aspect draconique et que donc de base c'est un dragon, mais elle peut avoir une apparence humaine. Mais de base elle est dragon et non pas humaine. Ensuite voilà, ici on a le skin donc du Geôlier. Le geôlier, donc c'est euh, un peu le patron euh, de l'antre, c'est celui qui a euh, pactisé avec Sylvanas pour ouvrir le voile qui séparait Azeroth des Shadowlands. Et donc lui, euh, si vous voulez, ils ont détourné toute l'anima. L'anima c'est quoi L'anima c'est tout simplement euh, une puissance que votre âme euh, regorge. Euh... Et donc, en fait, chaque zone des Shadowlands ont besoin d'être alimentée en anima pour pouvoir survivre. Par exemple, à Sylvardren, ils utilisent de l'anima pour pouvoir réanimer certaines personnes et les renvoyer dans le monde des vivants. C'est ce qui s'est passé avec Scenarius. On se souvient que Scenarius, on le retrouve à Cataclysme, mais avant Cataclysme, Scenarius, il était mort. Mais alors, il ne revient bon, si, il revient entre les morts, mais du coup, il n'est pas ressuscité en claquant des doigts, il a tout simplement été ressuscité parce qu'à Sylvardren, ils ont pu alimenter Scenarius. En anima pour pouvoir le faire revenir dans le monde des vivants, et donc ce qui se passe, c'est que euh, le Geôlier, avec l'aide de Sylvanas, et euh, apparemment depuis Burning Crusade, euh, font détourner tout l'anima vers l'antre. Ce qui fait que le Geôlier lui devient extrêmement puissant. Euh, alors il y a des fichiers, quand il est data je n'ai pas l'image ici, mais euh, le Geôlier est beaucoup plus gros que euh, Nisot. La tech fait Nisot en raid, et bah euh, le Geôlier est beaucoup plus grand que, euh, que Nisot. Donc voilà, le geôlier détourne tout l'anima, ce qui fait que les Shadowlands, les autres zones des Shadowlands n'ont plus d'anima euh, pour pouvoir faire tourner leur zone. Par exemple, Bastion, euh, on voit que la zone est un peu asséchée. La zone est magnifique. Hein, la zone est magnifique, mais on voit que la zone est un peu asséchée du fait du manque d'anima. Parce que le geôlier détourne tout euh, dans l'antre. Et donc à sylvardren aussi par exemple, le problème qui va y avoir, c'est que eh ben, ils n'ont plus assez d'anima et qu'ils vont devoir choisir euh, entre eux, des âmes à réanimer et que d'autres âmes seront abandonnées, seront perdues à jamais. Donc voilà pour le geôlier qui a aussi un skin euh, vraiment, vraiment badass. Alors ici, il y a un trou, on ne sait pas ce qu'il y a. Si euh, le modèle n'est pas fini ou si c'est comme ça de base, euh, ben, on verra bien ça dans les prochains builds de, de l'alpha. Ensuite, on a quel Kel'Thuzad, le retour, je crois que c'est à Lich King quand tu à Anaxramas, euh, donc voilà, Keltuzad aussi de retour, nouveau skin, très beau aussi, euh, finition parfaite encore une fois, bravo Blizzard. Et euh, Kel'Thuzad, on devrait le retrouver du côté de Maldraxxus. Euh, Maldraxxus, c'est là où sont formées euh, les armées de guerre des euh, Shadowlands, et on va notamment retrouver euh, dans Maldraxxus Draka, qui est la mère de Thrall. Voilà pour tusade Ensuite, ici, alors je vais très certainement vous demander les... qui c'est, c'est un personnage qu'on n'a jamais vu, mais un personnage que finalement dans l'histoire, on sent sa présence depuis un bon moment. Ce personnage, c'est tout simplement Muezala. Euh, il est dit euh, comme le loi des morts pour une certaine tribu troll, euh, je crois que c'est les Farakis, c'est le loi de la mort de la, de la tribu des trolls des Farakis, et c'est aussi le dieu de la mort des trolls. Et on apprend aussi, alors attention, alerte spoil. On apprend que c'est Muezala qui a soufflé le nom de Sylvanas à Vol'jin pour que Vol'jin nomme Sylvanas chef de guerre quand lui-même était mourant. Mais Muezala nous apprend aussi, parce que du coup on va battre Muezala, c'est un boss final de donjon. Et on a un petit dialogue entre euh, Vol'jin et Muezala où Muezala lui explique qu'il euh, y a une force qui a libéré Vol'jin de l'emprise de Muezala. Et du coup on ne sait pas qui est cette force qui a libéré Vol'jin, mais on sait qu'elle l'a fait et que si elle n'aurait pas fait, Muezala aurait promis une torture euh, Une torture euh, tout simplement sans arrêt, puisqu'il aurait passé toute l'éternité aux côtés de Muezala, une torture pour l'éternité euh, de sa part sur Vol'jin. Et là Vol''jin euh, euh, lui répond tout simplement qu'il peut n'y avoir qu'un seul loi de la mort, et que c'est beau samedi Et donc là, ils vont tuer Muzala et donc Samedi va très certainement devenir le seul loa des morts ensuite on passe sur l'arbitre, alors ce personnage là c'est un personnage féminin euh, c'est l'arbitre qui est euh, qui réside donc à Oribos Oribos qui est la capitale des Shadowlands et euh, donc l'arbitre est la personne qui va, qui va choisir quand une âme arrive euh, aux Shadowlands dans quelle zone elle va être envoyée, est-ce qu'elle va être envoyée en Drain parce qu'elle a un rapport avec la nature est-ce qu'elle va être envoyée euh, à Bastion parce que c'est une âme qui a rempli des choses héroïques euh, tout au long de sa vie Est-ce qu'elle va être envoyée euh, à Maldraxxus parce que c'est un héros de guerre, c'est quelqu'un qui a aimé faire la guerre comme un orc par exemple qui a énormément d'honneur par rapport à la guerre et donc dans ces cas là, il va elle va l'envoyer à Maldraxxus ou alors à Revendreth alors ça c'est pour les mm, personnages qui ont un orgueil énorme, comme Kael talas et qui donc sont envoyés euh, à Revendreth pour euh, qu'ils soient remis dans le droit chemin euh, qu'ils perdent tout leur orgueil, qu'ils soient presque humiliés justement par, les, euh, par ceux qui gèrent Revendreth pour pouvoir leur mettre dans le droit chemin et plus tard en refaire quelque chose ou alors c'est elle qui décide si une personne euh, comme par exemple arthas a réalisé des choses immondes et bah cette âme là va être envoyée donc dans l'antre mais on rappelle que du coup l'arbitre ces derniers temps n'a plus beaucoup de travail parce que tout simplement euh, le geôlier et sylvanas font détourner toutes les âmes vers l'antre ensuite on a ici uther le porteur de lumière donc uther euh, alors on a plusieurs informations sur lui. Uther était donc un paladin qui a été euh, tué. Alors quand est-ce qu'il est mort Je m'en souviens plus du tout. Euh, je crois que c'est pendant Warcraft III qui meurt Uther. J'en suis, j'en suis plus du tout sûr. Et donc Uther était un paladin de la lumière. Et donc c'était quelqu'un qui a une vie très noble. Et donc on le voit ici. Euh, il a été envoyé donc à Bastion. Pour ça qu'il est devenu bleu et qu'il a des ailes. Mais, euh, attention, petit spoil encore, dans l'alpha, lorsqu'on découvre Uther dans la zone Bastion, euh, c'est un Kyrian, donc un Kyrian, c'est euh, ces personnages bleus avec des ailes, ou un Kyrian, on va dire Kyrian plutôt, c'est un Kyrian euh, euh, qui, de, qui est tout noir. Parce que, en fait, euh, lorsque vous êtes Kyrian, euh, et ben, tout simplement vous avez euh, des épreuves à passer. Des épreuves assez compliquées. Et lorsque vous échouez, ben, vous pouvez passer du côté des ténèbres et donc euh, vous devenez tout noir. Et donc, Lorsqu'on découvre Uther dans l'alpha euh, du côté de Bastion, et ben on le voit, il est tout noir. Donc est-ce que c'est parce qu'il a loupé ses épreuves et nous on va l'aider à les réussir et du coup il va obtenir ce skin-là et devenir un, euh, un Kyrian au sein de Bastion Modèle suivant. Alors ici, euh, elle, alors si je me souviens bien, c'est la reine de l'hiver. C'est la reine de l'hiver. Euh, du coup, zone assez facile à, à savoir, c'est donc. Sylvardren, et donc euh, ser selon certaines informations, attention spoiler encore une fois, euh, Vol'jin va devenir un Loa des trolls. Euh, comme Reza 1 quand il était tué, dont Reza on va le retrouver aussi dans Shadowlands. Beau est un Loa. Et donc euh, Vol'jin va devenir un Loa. Et apparemment, c'est justement ici la reine de l'hiver. Ou la reine de. Oui, la reine de l'hiver, je crois que s'appelle. et justement la reine de l'hiver qui va faire passer Vol'jin en tant que. Loa. Alors il faut prendre ça avec des pincettes, hein. je ne suis pas sûr de cette information, mais apparemment c'est ça, c'est la reine de l'hiver qui va faire que Vol'jin va pouvoir devenir un loa des trolls et donc devenir une divinité. Ensuite ici on, on passe sur les mascottes, donc on va les passer assez rapidement les mascottes. Donc euh, voilà ici on a un petit renard, une petite licorne, euh, là on passe euh, sur les mobs, donc ça c'est un mob qu'on avait déjà pu voir à Draenor. Euh, alors je dirais... Euh, Peut-être Sylvardren, cette zone-là. Peut-être Sylvardren. Ici, euh, on est plus sur Maldraxxus, un dragon en feu, comme ça, un peu mort-vivant. Euh, ici, skin un peu de, euh, de démoniste mort-vivant. Donc, mort-vivant, à mon avis, ça va aussi correspondre à la zone de Maldraxxus. Euh, bah ici, on a juste un nouveau modèle pour les béliers. Euh, alors, je ne pense pas que ça, ça soit euh, une zone en particulier des Shadowlands, mais tout simplement les béliers dans le jeu qui ont été refaits. Euh, ensuite, voilà, ici on a un Kyrian euh, qui a donc réussi les épreuves. Quand ils réussissent les épreuves, ils obtiennent leurs ailes ici. Donc, ça, c'est un Kyrian qui a réussi ses épreuves. Euh, alors, ici, c'est un, un robot euh, au sein de Bastion, je crois bien. De toute façon, euh, c'est un robot, je pense. Et euh, vu euh, comment il est, c'est forcément Bastion. Euh, ici, on a donc euh, une gargouille. Euh, qui donc elle c'est Ravendress, on rappelle que Ravendress est une zone très vampirique, un peu autour du thème du comte de Dracula, euh, puisque le premier raid est un, ma une, est un manoir très grand euh, sur le thème vampirique euh, du côté de Ravendress. Euh, ici on a des araignées, je pense que du coup c'est aussi Ravendress. Alors ici on a les hiboux, alors je sais plus comment ils s'appellent, mais donc c'est des hiboux, c'est donc des... PNJ et ils font partie de la zone Bastion. Ce sont des alliés. et euh, Par exemple, c'est eux qui vont être forgerons. Ceux qui, par exemple, nettoient le sol. Sur l'Alpha, on en a vu. Ils frottaient le sol aux éponges pour que ça reste propre. Donc, eux, c'est des PNJ du côté de Bastion. Euh, ici, on a un super zombie euh, du côté de Maldraxus, je pense. Et donc, euh, qui ont aussi un skin refait. En fait, ce mob là existait déjà, mais avait un skin très moche. Et donc, là, on le retrouve avec un skin refait. Euh, ici, euh, bah, tout simplement, on a le hibou sans, sans la modélisation. Sans le skin dessus là on a vraiment juste euh, euh, comment ils l'ont créé de base. Voilà. Euh, alors lui c'est euh, Sylvardren et un boss de donjon d'ailleurs ce skin. C'est assez flippant. Il est assez flippant je trouve. Euh, ici euh, on a une euh, une vampire on dirait. Je pense que c'est Ravendress pour euh, ce, ce mob là. Ensuite on passe sur une arène et carmure, c'est peut-être une monture comme elle a du stuff, je ne sais pas, mais je pense que c'est Ravendress. Euh, la Maldraxxus Au vu des couleurs je pense bien euh, Ici on a un espèce de seigneur de guerre euh, Des armées de la mort euh, Donc armée Maldraxxus euh, Armée des Shadowlands Maldraxxus Et c'est à ça d'être un seigneur assez ah, badass Je kiffe, ce, je kiffe ça euh, puis Ici on a les gardiens ailés Du coup on sait enfin d'où viennent les gardiens ailés On sait il y avait une, y a une monture Payante dans le store à 20€ Qui est le gardien ailé Et du coup on sait enfin que les gardiens ailés viennent des Shadowlands, et plus particulièrement, je crois, de Bastion. Bastion, il y en a beaucoup. Ici, encore du, euh, du mort-vivant, euh, du très beau mort-vivant. Bon, en soi, il est dégueulasse, mais il est moche. Enfin, il est moche, mais il est beau. Je sais pas ce que, que je veux dire. C'est-à-dire qu'il est fait pour être moche, mais il est extrêmement bien fait. Encore une fois, c'est vraiment ouf, l'upgrade graphique qu'on qu obtient à, à Shadowlands. Euh, ici, on a une sorte euh, de ghoul, bah, Maldraxxus aussi, hein, tout ce qui est mort-vivant. Euh, alors ici on a un mob qui un pet du coup que les chasseurs peuvent dompter et euh, tout simplement c'est la zone de bastion celui-là. Euh, alors ici alors on va descendre un peu parce que je crois que celui-là c'est très important. Euh, je crois que c'est l'arcon. Euh, alors juste pour en être sûr. Voilà c'est l'Archon. L'Archon c'est tout simplement euh, le boss des Kyrian et donc de la congrégation euh, qu'il y a au niveau de Bastion. C'est elle la boss, c'est la chef des Kyrian, et donc voilà, c'est l'Arcon. Euh, là, on est plus sur du mob de Sylvardren. Je trouve qu'il ressemble un peu à, à certains mobs euh, qu'on peut retrouver dans les tarides du nord et tarides du sud. Euh, je sais plus leur nom, mais je trouve qu'ils ressemblent assez. Je pense que le modèle de base a été re refait et qu'ils ont reskin un autre mob par-dessus. Euh, bah, ici, on a du mob de Sylvardren, Sylvardren, Sylvardren. C'est très très beau quand même, hein. extrêmement beau. Euh, du Alors là, on a du vampire. Du vampire mort-vivant, on dirait euh, donc Ravendress, euh, Ravendress, Mobla, Raven Ravendress. Alors voilà, ici on a une Kyrian, du coup, euh, et donc elle, elle vient d'arriver à Bastion, certainement, et donc elle n'a pas encore passé ses épreuves. Et donc elle n'est ni noire parce qu'elle les a loupées, elle n'a pas d'elle parce qu'elle ne les a pas encore passées. Ces épreuves, tout simplement. Euh, donc voilà, on a le même modèle, mais en homme, donc un Kyrian homme. Alors je sais pas si ça serait une race alliée, mais je les trouve extrêmement stylé euh, ici, euh, alors lui c'est pas un mob méchant, je crois que c'est un mob gentil. Euh, du coup, c'est un allié du côté de Bastion. Euh, je crois que c'est un peu genre les hôtes, genre ceux qui nous accueillent, euh, qui vont nous guider dans la ville, etc. Euh, ici, on a des sortes de lions de, de Bastion. Bastion encore. Ici, c'est toujours du Bastion. Euh, bon, on voit, il hein, y a vraiment une patte graphique, une direction artistique pour chaque zone. Euh, qui est juste sensationnel, c'est vraiment fou à quel point c'est beau. Euh, ici, euh, on voit qu'il y a une petite salle, c'est donc une monture, et ce une monture euh, du côté de Maldraxxus, on voit que c'est extrêmement beau encore une fois. Personnellement, je joue au Chevalier de la Mort, et je trouve c'est euh, les mobs de Maldraxxus juste magnifiques, extrêmement bien faits, extrêmement bien détaillés, c'est juste assez ouf. Euh, ici, on est du côté de Bastion, je crois bien Bastion, Sylvardren, je sais pas trop. Euh, là, on est sur euh, de la gargouille, chauve-souris, volante, c'est du Ravendress reste toujours là, on est donc sur des abominations euh, qui avaient déjà été Roskin, et donc là on voit euh, une nouvelle variante des abominations, et euh, du coup, très certainement du côté de Maldraxxus. Alors, Maldraxxus, euh, les armées des Shadowlands, euh, c'est de ces armées là que le fléau euh, à Lich King s'est inspiré, c'est-à-dire que quand par exemple on fait. Euh, la citadelle de la couronne de glace. On voit des morts vivants à l'intérieur, mais ce n'est pas les armées des Shadowlands à proprement parler. Juste que le fléau s'est inspiré de des armées de Maltraxus euh, pour créer le fléau, tout simplement. Là, on voit que par exemple euh, le skin n'est pas tout à fait fini parce que là on voit qu'il y a un trou et qu'on voit l'intérieur de la tête. Après, c'est normal, c'est une alpha. Là, on est sur de la licorne, donc euh, très simplement Silverdrain. Euh, Silver Drain encore une fois, Silverdrain toujours. On a plusieurs modèles de licorne. Avec euh, ici, on voit donc euh, c'est un mob. C'est une monture, c'est un mob et c'est une monture, donc pour avoir des licornes comme monture. Euh, alors ici, je crois bien que c'est euh, un boss de donjon. En fait, c'est juste plein d'ossements euh, dans une gelée, et donc tous ces ossements contrôlent euh, la gelée euh, abominante, tout simplement. Donc voilà, ici, euh, alors ça, euh, ça me laisse quand même assez penser à la direction artistique de l'antre. Donc euh, The Mow, donc là où il y a le, le geôlier, tout simplement. Donc, très certainement des, des mobs de là-bas, des ours euh, des ours doucement métalliques. Euh, et on peut l'avoir en monture. Donc il y a le skin mob. Et il euh, y a le skin fait pour être en monture. Donc on pourrait avoir celle-ci comme monture. Euh, ici on est... Alors il y avait des mobs de la Légion Ardente qui étaient comme ça. Donc on voit qu'ils ont repris ce skin-là. Qu'ils l'ont modifié un peu. Et que du coup celui-là va très certainement correspondre à Ravendress euh, du côté de tout ce qui est vampirique. Ensuite, du coup, là voilà, on a une Kyrian qui a réussi ses épreuves. Pour, devenir, euh, pour obtenir ses ailes et donc avancer euh, petit, peu, petit à petit dans euh, les grades des Kyrianes. Donc, elle, on voit que c'est un, une Kyrian qui a réussi ses épreuves. Un Kyrian qui a réussi ses épreuves, donc avec des ailes. Euh, voilà, alors ici, on est sur euh, un Kyrian euh, qui a loupé ses épreuves, qui est passé du côté des ténèbres. J'ai bien l'impression que c'est même un Kyrian qui, après, a rejoint l'antre et euh, s'est allié au Geôlier. Parce que. Euh, le Kyrian qui a bastion et qui a loupé ses épreuves n'a pas euh, une armure comme ça, il est juste tout noir. Là on voit vraiment qu'il y a de la fumée noire, je pense très certainement que c'est un Kyrian qui a loupé ses épreuves euh, et qui ensuite est parti dans la zone donc de l'antre. On voit vraiment la direction artistique comme avec l'ours tout à l'heure qui nous représente bien euh, ce qu'est l'antre. Euh, ici on a quoi euh, Des espèces de sang, euh, des élémentaires de sang. Euh, du coup sang, vampire, donc gravendres très certainement. Euh, alors voilà, alors ce robot, il faut savoir que je l'ai vu parce que du coup je regarde des streams et des vidéos de l'Alpha Shadowland parce que je n'ai pas de clé euh, assez logiquement. Hein. Euh, ce robot là, quand vous arrivez à Bastion, il est en espèce d'accueil. Euh, le, le truc est juste immense, il est énorme. Il est magnifique, du coup c'est Bastion, c'est un allié et euh, le robot est juste énorme. Euh, ici on est sur euh, une liche un peu comme Kel'Thuzad, mais du coup on voit que du coup, parce qu'en fait jusqu'à maintenant toutes les liches avaient le skin de Kel'Thuzad. Là, on voit que maintenant Kel'Thuzad a son propre skin et les autres liches euh, ben, ont des skins euh, bien à eux qui fait qu'ils ne ressemblent pas à Kel'Thuzad. Du coup, ça, c'est une liche normale. On a Kel'Thuzad et ça, je crois que c'est un... une seigneur liche. Donc, euh, Maldraxxus, hein, les, les, les deux. Euh, ici, on est peut-être sur du pet de Maldraxxus ou de l'antre. Je sais pas trop. Je sais pas trop, euh, faudra voir ça. Là, on est sur des gardes. Des gardes de bastion. Euh, Est-ce que c'était pas des anciennes Arakoa parce que regardez, on a un peu ça comme on, on les grands Zara, les grands aracoa. On est peut-être sur de l'Aracoa qui arrivait à Bastion après être mort. Euh, ici, on est sur des espèces de, de chats. Donc, chats, euh, les, ce qui représente les, euh, les, les émotions. Ce qu'on avait vu à Miss Et donc, ça, à mon avis, on peut retrouver un petit peu partout dans les Shadowlands. Euh, alors là, on, on a une espèce de mort-vivant. Euh, qui ressemble pas à tous les morts vivants, avec un peu une refonte dans la gueule, mais qui est magnifique, euh, avec justement son sac à dos rempli de peste juste derrière. Euh, du coup, on voit que les sacs à dos de peste ont été refontés aussi, parce qu'avant c'était un vieux sac à dos, maintenant on voit bien que c'est de la peste qui est à l'intérieur. Et je crois que c'est un... Un... un mob de donjon lui. Enfin, il y a un boss de donjon qui a ce skin là, mais je pense qu'on va retrouver pas mal du côté de, de Maldraxxus. Euh, ici, un pet ou un mob, un pet on dirait bien de... du côté de Sylvardren. Euh, ici on est sur du mob de Maldraxxus, ça se voit assez direction artistique de Maldraxxus. Euh, pour bien différencier Maldraxxus et l'antre, c'est Maldraxus c'est vraiment tout ce qui est crâne un peu mort-vivant, et l'antre c'est vraiment crâne mort-vivant mais avec du gros métal noir, de la fumée noire, etc. Vraiment les ténèbres. Euh, ah bah du coup là, voilà la, le même mais en monture, c'est un espèce de codo j'ai l'impression qui est mort. Euh, ici du coup du mob de Maldraxus et on a juste un petit clin d'œil. Euh, du coup, ils ont, ces mobs-là ont la même hache que le mob qu'il y avait euh, à Icecrown Citadel, donc les de la couronne de glace. Et on c'est un petit clin d'œil euh, à Lich King juste ici. Euh, ici, du coup, Maldraxxus aussi. Euh, une chimière, donc mort vivant du côté de Maldraxxus. Monture aussi. Alors, il y a plusieurs coloris, il n'y a pas de monture. Euh, alors, lui, je pense sans trop m'avancer que c'est euh, l'antre, je pense. L'antre ou Maldraxxus encore. Une petite hésitation. Mais euh, peut-être l'antre parce qu'on voit vraiment que c'est très sombre très dark, euh, ça représente vraiment l'antre. Euh, ici, on est sur quoi On est, on est peut-être sur un Maldraxxus, là, parce qu'on a les yeux verts ici, et euh, ça fait très, euh, très euh, soldats de guerre. Et donc euh, la guerre, Maldraxxus, les armées de des Shadowlands. Ici, euh, on est du côté de Maldraxxus, je pense, euh, juste par les coloris, ça se voit assez rapidement. Euh, ici, Maldraxus pareil, les armées de guerre des, des, des Shadowlands. Euh, alors ici euh, c'est des petites euh, globules euh, à mon avis justement qu'il y en a beaucoup Ça devient comme le mob qu'on a vu tout à l'heure euh, En gélatine comme ça avec des os à l'intérieur Je pense que c'est Maldraxxus euh, Alors ça euh, très clairement c'est l'antre On voit bien euh, euh, la direction artistique de l'antre euh, Donc euh, crâne métallique, pic partout, très sombre Ça c'est donc l'antre Ça pareil garde de l'antre Je pense Ça euh, c'est pareil un mob de l'antre euh, on voit bien vraiment que la direction artistique de l'Antre euh, est très... Euh, on fait la différence entre Maldraxxus et, euh, et l'Antre. Il y a vraiment chaque zone qui a euh, sa propre direction artistique. Et ça, c'est vraiment super. Euh, ça, pareil, c'est de, de l'Antre. L'Antre aussi. Euh, ça, petit pet du côté de Sylvardren, je pense. Voilà. Euh, là, du côté de... de euh, comment ça s'appelle Maldraxxus. Euh, donc, je pense que c'est tout simplement des Nagas qui sont morts. Ça, des Nagas qui sont morts. Et donc euh, les Nagas, armés de guerre, donc ils sont morts, direction Maldraxus. Euh, alors lui par contre, c'est pas la zone Shadowlands à proprement parler. C'est euh, la nouvelle île. La nouvelle île euh, du niveau 1 au niveau 10. C'est un peu une île tuto pour les nouveaux joueurs. Mais tout le monde pourra la faire. Et donc euh, cet ogre-là, c'est du côté de cette île-là. Euh, Celle-ci pareil, je crois. Ah non, 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 ça c'est de l'os, ça c'est du Maldraxus. Ça c'est du Maldraxus et c'est une monture. C'est une monture aussi, hein. On le voit, une nouvelle monture aussi. Ah bah ça, très clairement, l'antre. Euh, ça se voit assez, assez facilement. Ça, pareil, c'est l'antre. Euh, suivant, bah l'antre aussi, des âmes un peu perdues. Euh... Alors là, je sais pas, parce que euh, c'est assez rouge. Ah ouais, non, c'est Sylvardren. Sylvardren, pourquoi euh, Non, Sylvardren, pardon. Euh, dress parce qu'en fait, regardez, c'est des tombes, c'est des pierres tombales. Voilà. Les pics là, on le voit très bien ici, c'est une pierre tombale. C'est donc euh, Ravendress. Euh, on l'a en boss un peu plus, euh, un peu plus euh, méchant. Euh, ici on a les petites pierres tombales. Ok, alors là après c'est du data mining de, euh, de bout de mob par bout de mob. Donc on voit qu'ici on a des bras. Euh, ici je sais pas trop ce qu'on a, des bouts de mob. Euh, ici je pense que c'est Maldraxxus. Maldraxxus il y a pas mal de choses comme ça avec l'espèce de gelée qui ramasse des os pour se. Pour, bah, pour pouvoir faire des mouvements, tout simplement. Donc là, on, on voit ça, Maldraxus, je pense. Ça, pareil, Maldraxus. Euh, bah, ça, pareil, des tentacules. Euh, du vampire, du vampire. Donc ça, c'est très simplement Ravendress. Euh, Ravendress aussi. Les, les vampires sont extrêmement bien faits. Hein. Ils sont juste magnifiques. Regardez le nombre de détails qu'on a au niveau des codes. Des... Ah, C'est juste magnifique. Ici, du coup, on a une Kyrian euh, qui a qui a loupé euh, ses épreuves, donc elle obtient quand même ses ailes, mais donc elle passe du côté des ténèbres, on le voit parce qu'elle devient un peu violette noire. Voilà, pareil pour, pour les gars. Euh, voilà, après ils cachent leurs yeux, ils deviennent un peu plus dark. Et je pense qu'à la fin ils deviennent comme celui qu'on a vu euh, au tout début. Euh, ici, des élémentaires comme ça, je pense que c'est l'antre. C'est l'antre parce que euh, tout simplement la direction artistique qu'on voit au niveau, au niveau des brassards de l'élème. Euh, ici des espèces de, de gobelins, de... on oh, dirait qu'ils ont repris le corps du gobelin, un peu du vulpéra, pour faire un nouveau mob du côté de Silver Drain. ça se voit assez facilement que c'est Silver euh, Alors ici je sais pas du tout quel nom ça peut être. Peut-être Ravendresse au niveau des yeux, c'est espèce d'ours de... un peu goule, euh... un peu gargouille, pardon. Ouais, donc ça c'est Ravendresse, et ça peut être une monture en plus. Hein. Alors, bon, trop badass. Ça je pense ça être une monture PVP, avec le, le petit cercueil derrière. Euh, là, on est sur du silver Drain, ça se voit aux ailes, assez féerique. Euh, L'appareil, pareil, drain parce qu'on voit les bois, la forêt, etc. Ça, pareil, les bois, c'est. Enfin, ils sont bien faits, mais qu'est-ce que c'est moi, Genre, t'as pas envie de. T'as pas envie d'avoir ça avec toi, quoi. Euh, ça, ça devient une monture Ça devient une monture ou c'est juste un mob un peu plus. Un peu plus badass Juste un mob un peu plus badass, je pense. Là, on l'a en tout petit. Alors, lui, euh, lui, très important. Euh, je crois bien que c'est le boss final, donc. Euh, du premier raid, que ce qui sera euh, au niveau de Ravendress dans, dans les Shadowlands. Je crois que c'est. Euh, alors, dans... quand on est sur l'alpha, dans le codex, il est mis comme premier boss, mais euh, il a été dataminé en tant que dernier boss, boss final du premier raid. Donc on verra bien. Euh, ensuite, ici, Sylvardren, dû aux lueurs bleues, le... les bras un peu boisés. Euh... <laughs> c'est quoi ça On dirait un espèce de nain qui est devenu cool. Euh... C'est. Il s'est très bien fait mais il est très moche, Regardez sa gueule. Ouais ça c'est ça c'est du Maldraxus hein. Ça paraît je pense bien, ça c'est du Silvard un peu un peu Drust. Les mêmes mobs qu'on a eu à Drustvar. ouais voilà, on retrouve la magie Drust. Parce je qu rappelle que la magie Drust qu'on a vue à, Drufna, à, à Drustvar, à c'est euh, de la magie morbide, c'est de la magie des morts, et donc on va retrouver les, les Drust euh, du côté de Silvardrain. Là on a de, de la Silvardrain aussi, hop. Voilà l'appareil des, des alliés de Silvardrain. Euh, ça, pareil, du dragon euh, de Sylvardren. Euh, les petites fées, parce que c'est un univers très féerique du côté de Silverdren, donc voilà. Les fées, est-ce qu'on va en affronter Je ne sais pas. Euh, les renards, Sylvardren aussi. Euh, lui, je pense que ce sera peut-être un boss dans le raid aussi. Enfin, il a un stuff à être un boss en fait. Mais en fait, je sais pas. Ça, ça sera un mob. Un mob dans tous les cas. Euh, du côté de, de Ravendress. Euh, pareil, vampire avec des ailes cette fois-ci, Ravendress. On a la même avec du stuff. C'est du Ravendress. Euh, là, là, voilà. C'est un peu la gargouille améliorée, ça. Parce qu'elle est vraiment beaucoup plus grosse. Beaucoup plus imposante. Euh, donc, du Ravendress aussi. Ravendress. Euh, là, on est quoi C'est du Ravendress aussi, euh, gargouille, comme ça Je pense que c'est Ravendress, ouais. Euh, ici, c'est... Euh, comment il s'appelle Le... Ah euh, Guam. Guam. Ou, ah, je sais plus du tout son nom, euh, le, le mob qu'on affronte euh, dans euh, le jugement des valeureux, parce que tout simplement on va retrouver Elia dans les Shadowlands, parce que Elia c'est aussi un rapport avec la mort, et donc très logiquement on va retrouver euh, son pet là-bas. Euh, des petites araignées de Sylvardren, et euh, on retrouve ici encore un mob de Sylvardren. Donc voilà, voilà pardon euh, pour tous les modèles de personnages principaux, de montures, de mascottes et de mobs qui ont été dataminer. Euh, J'espère que ça vous aura plu, qu'on aurait pu voir tous ces petits modèles data ensemble, on va se laisser sur le boulevard que juste magnifique. Euh, donc voilà pour cette première vidéo sur l'Alpha de Shadowlands. Euh, on va faire d'autres vidéos dessus pour parler un peu plus précisément de l'histoire qui se passe, euh, comment on arrive là-bas, qu'est-ce qui se passe dans chaque zone, quel est le problème de chaque zone avec l'anima, et euh, on verra aussi un peu toutes les personnalisations de personnages nouvelles qui ont été datamainés. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. C'est extrêmement important. Et moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et bien...